mais avec l'addition d'un certain nombre de joueurs plus expérimentés. 48 heures après la victoire de l'ASM en Champions Cup face aux Stormers, le président de l'ASM Clermont, Jean-Michel Guillon, a invité la presse pour faire le point sur l'ossature de l'équipe qui évoluera la saison prochaine. Autant dire que le téléphone portable du directeur sportif du club clermontois est en mode surchauffe. La saison prochaine semble un peu lointaine malgré tout, mais on est en pleine activité, ça fait quelques semaines que ça dure, mais on est en plein dedans. Seule officialisation pour l'heure, la signature du numéro 8 international néo-zélandais, Pitagus Soakula. Aujourd'hui, pouvoir recruter un All Black dans notre squad, dans notre équipe, c'est un élément qui est très très important. Les dirigeants de l'ASM poursuivent également leurs efforts pour tenter de conserver au sein de l'effectif l'ailier international Damien Penaud. Mais on y travaille d'arrache-pied et je ne peux pas vous dire que Damien sera à Clermont demain parce que je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire avec force, c'est que nous faisons tout pour le conserver parce qu'il est à l'image de notre club. Mais je ne suis pas dans sa tête et il prendra le moment venu, avec tous les efforts que nous avons pu faire, la décision qui lui appartient. Et puis à partir de là, on construira avec lui ou on construira avec d'autres. À en croire le président de l'ASM Clermont, le suspense devrait prendre fin dans les semaines qui viennent.